Ouais, bien sûr, ouais. Nickel. Dès que vous êtes prêts, mes joueurs, on va y aller. Que des détos ? Que du détonateur, que ça. Ok. Il y aura besoin que je fasse un aller-retour pour te ramener d'autres stuff ou pas ? Non, non, juste ça et tu vas me suivre. Ok, mes joueurs, venez, on va essayer de bouger maintenant pour pas se faire tuer. Venez, 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 venez. Ok, parfait. Faut que je retrouve mon putain de camion, je crois que je l'ai foutu. J'ai oublié. C'est pas lui, mais on va le chercher, le mien. Ne vous inquiétez pas, on va le chercher avec ça, sinon on va mourir de l'artiste sinon. Ah, il a plus de carburant, on fait chier. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, mon camion, mon camtar? Ok, je cherche un... Non, mais c'est en gros, j'ai rempli un camion déjà de charge AVOC et je crois que je l'ai mis de l'autre côté vers l'est. Mourrez pas avec votre stuff, je vais chercher le camion. Rentrez dans le camion de sauve, rentrez dans le camion de sauve. Attends, bouge pas, sauve, je vais chercher mon camion. Ouais, pas de soucis. Il est là, je le vois. Ah, je savais que j'allais la prendre, j'étais à rien, j'ai appuyé sur A juste avant que le truc il apparaisse, mais j'étais pas à range. C'est pas grave. Ok, je sais exactement comment on va pouvoir faire ça si on continue le push. Hein. Vous avez lâché ce que vous faites ou vous continuez de mettre la pression à la bébé là? On est devant la bébé, on se couvre les lance-roquettes qui sont en train de péter le premier pattern. Le pattern, oui. On arrive. T'inquiète, on attend. Vas-y, prends ton temps. Non, même pas, je vais mourir à cause de ça. Ok, nice. Y'a besoin d'aide pour quelque chose là? Je pense que la logie a toujours besoin d'un petit coup de main parce que les alertes sont longues. Allez, je cherche mon sauve maintenant. Il est où sauve? Sauve, je cherche sauve. Il était par là de mémoire. Bien, si le dans l'œil il était là. T'es là? Ok, nickel. Ok, viens. Ok, je te suis. Je sais pas si je. Ouais, je nous emmène dans un bourbier, mais c'est pas grave, vas-y, viens. Voilà, Est-ce qu'on va pouvoir traverser par là? Attends, on va passer à droite, my bad. C'est juste que là j'ai pris le pire chemin. Ok, venez. Un médecin! J'ai mal! Ok, tu vas pouvoir t'arrêter là, mais ne bloque pas la route juste. Ok, Amsonoub, toi t'as quoi déjà dans les mains? Ok, parfait, une malone, et il y a Climine aussi avec une malone. Ok, je vous explique votre rôle à tous les deux, les deux qui ont une malone. En gros, votre principe, ça va être de suppresser un bunker qui est censé tirer sur l'infanterie. Donc vous allez tirer l'un après l'autre. Il y en a un qui va lâcher son full chargeur, et quand tu es prêt à reload,
bah soit t'attends qu'il tire plus et tu tires, soit tu le dis en vocal, tu fais je vais reload et puis comme ça, toi tu prends le relais, Klimin, et tu envoies. Donc tu vas commencer, Amsonoob, je vais te montrer le pattern que tu vas devoir suppresser, ça va nous permettre de push les Avoc charge. Rakal et du coup Cold, vous avez un Osprey full gaz, le but c'est de gaz chacun de votre côté, gauche et droite à peu près, bon vous verrez comment vous démerdez pour vous caler là-dessus, et de gaz systématiquement pour empêcher l'infanterie de push l'endroit qu'on va, sur lesquels on va amener les Avoc charge. Et joking, toi et moi, le but ça va être de amener les Avoc charge. Donc toi systématiquement, okay, tu prendras dans... ton camion. Ouais, systématiquement tu vas prendre dans ce camion là, le côté pardon, pas celui-ci, excuse-moi, remets là pardon. Moi je vais prendre la charge, toi tu vas prendre le détonateur, donc c'est moi qui vais poser en premier. Et toi après tu vas poser par-dessus. Donc là on va amener ça doucement. Est-ce que t'as besoin que je prenne un détonateur de ce... Appel, de... Tu peux en ramener un de plus, ouais. Attends, ouais d'ailleurs, il faudrait qu'on trouve des gaz masques. Tiens, je te file 3 filtres. Et si on trouve un gaz masque chacun sur le chemin, c'est parfait. S'il y a quelqu'un qui a pas compris quelque chose dans son rôle, faut pas hésiter à le dire maintenant, c'est maintenant ou jamais. Rakal, tu prends côté droit ou gauche ? N'importe. Vous voyez le pattern en face de nous, ça va être simple. La malonne, elle se met à range et elle va suppresser ce truc là. Dans cette direction, la Gatling. Il faut que tu allumes la Gatling, faut que ton trait blanc il atteigne la Gatling. Allez, c'est parti les gaz, vous pouvez commencer à gazer. Hein. Il y a quelques joueurs. Hein. Ah ouais, tu dois être accroupi. Amsonoob, tu commences, faut que le trait blanc il puisse toucher. Ok, attention, vous avez gazé, on peut pas poser. Vous avez gazé trop proche. Faut gazer un peu plus loin, les gars. Un peu plus loin, faut gazer. Tu vas devoir prendre le relais, la deuxième Gatling bientôt. On avance. Viens, je vais poser le truc. Il est pas suppressé. Non, faut pas smoke. Ouais, bah je suis mort de mon pote là. Il gaze trop proche. Non mais non, faut pas poser, on va mourir, ça sert à rien. Il faut me... C'était pas suppressé, t'es trop loin Amsonoob. Et je suis knock. Et quelqu'un, un médic là quelque part ou pas? Allonge-toi. Voilà, nickel. Tu peux me... Ouais, vas-y. Il est mort le suppressant 2, c'est pas grave. Quelqu'un, le reste si possible. Vous avez gaz trop proche les gars, hein, vous nous avez tués. Okay. Ouais tranquille, c'est juste qu'on a pas de masque à gaz parce qu'il y en avait pas dans la bébé, dans la truc, donc on a pas pu anticiper ça malheureusement. Il faut pas smoke parce qu'on a pas pu poser les trucs d'ailleurs. Pareil. Ah, sinon on retourne faire un aller-retour. Non mais il y a pas de gaz masque, ça change rien. Vous en avez plus là? Ouais, bah faut tampon un peu plus, mais c'est pas grave, on va faire 100, j'aurai besoin d'un suppress. Et j'ai juste besoin de quelqu'un qui prenne un déto, c'est tout du coup. Dommage hein. Je sais pas qui a mis les smokes, mais c'était une très mauvaise idée, hein. Ça nous a baisé complètement. On n'a pas pu poser les trucs. Kadas est tombé. Derrière, médic. Wait. I need to suppress. Klimin, viens. Est-ce que t'as déjà utilisé un trépied sur le jeu? Ah mais c'est bon, joking là. Vas-y, prends un déto, joking. Go. Allez, go fast cette fois, j'espère qu'on se fait pas baiser par ceux qui ont posé des smokes là, ça nous a complètement détruit. Keep going, TK. Can you suppress it? It's not suppressed. It's not suppressed still. I'm dead. Bah c'est pas suppressed, donc tant que c'est pas suppressed, on peut pas avancer. Ne lance pas des smokes s'il te plaît. J'ai juste besoin d'un suppress en fait, j'ai besoin de gens qui suppressent, sauf que... Tire sur la Gatling, botte clairement.
Go, 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 maintenant, maintenant, maintenant. Continue, 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 continue. Oh, j'ai pas de peau. Oh, j'ai pas de chance. Joking. Joking. My bad. Non. Mais putain, il a détruit la Avoc charge à la main. Mais putain. Tué par un allié, au secours. Mais les gens ne... Oh, ça me saoule. Oh, c'est trop chiant. Parce que là, en fait, on aurait pu poser... Deux avocs charges. Là, il y a deux avocs charges qui pètent, il n'y a plus de pattern. Oh, c'est énervant. Il suffit de spammer le truc, quoi. C'est trop frustrant, je vous jure, c'est trop trop frustrant. Faites quoi ici, en fait? Je suis stun, là. Grenade. Grenade. C'est qui, là? Les gars, dans le stun, vous aimez pas mal, hein. Le gaz, il est parti trop loin, et après... Enfin, trop proche. Regarde ce que j'ai trouvé là. Oh, let's go, vas-y. Je me quitte. Regardez Vetono, bah là je vais surtout retenter. Là on a trop de sur le pont qui amène à Silky Farm. Il y a un tank. Oui, je sais qu'il y a plein d'alligators, mais on va réussir d'en poser une, on va essayer d'en poser une ou deux. C'est vraiment pas dur à poser, quoi. Faut juste un mec qui soit. En fait, il y avait même pas besoin de gaz. Okay. Sur le pont, j'ai pré-shot le gaz même. Mais... Ouais, non, mais on... C'est farm là. J'ai pré-shot le gaz et tout, mais en fait, du coup, ils ont pas compris. Je leur avais dit de gaz derrière, ils ont gaz devant. Et ils ont tout lancé trop rapidement, du coup, ils en avaient plus après. J'en prends une ou je prends celle qui est tombée par terre? Ouais, continue, continue, on en reprend une. Merci, merci. Sauve, sauve, sauve. J'aurai besoin de toi pour suppresser, s'il te plaît. Il faut que tu suppresses la Gatling en face. Tu t'avances, tu te mets bien en range là et tu la spam comme tu l'as jamais spam. Suppresse la Gatling, Kimimaro, la Gatling. C'est un truc humilié, hein. Oui, oui. Et s'il vous plaît, ne te mets pas à droite, mets-toi à gauche. Ok, non, c'est bon, on en a deux. Go, 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 Joking, go. Attends, attends. Go, 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 go. Fast, fast. Il est où le déto? Il est où le déto? Il y a des détos et des charges en temps pour le déto derrière. Il est mort où? Putain! La dinguerie! Ah! J'en peux plus! Dans ce camion, si vous avez un lunaire. Ok, quelqu'un une charge, quelqu'un prend une charge, quelqu'un prend une charge, Zarek prend une charge, charge, pas le déto. Oh là là, j'allais devenir fou. Un camion juste là, Kenny, des charges et des... Ok, désolé, je suis fou. Ah ouais? Ok. Vous pouvez retourner les batteuses? On a la charge qui arrive normalement. Ouais, Zarek, tu pars dès que c'est suprès, je te le dis. Allez, go, quand vous voulez. C'est suppresse, go. Pause. Le plus proche possible. Allez Zarek, charge détonateur, let's go. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est tout. Suppressez-moi ces patterns, à fond. Allez go, tant qu'ils sont... Bah, sauve.
suis knock. Gaz, 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 gaz. Parfait, les suppresseurs, continuez. J'arrive, Zarek. Attention, on va passer. Allez, suppresse, allez, suppresse, go, go, go. Arrête, attention, tirez pas en croisé. Tirez pas en croisé, sauve, sauve. Allez, organisez-vous, s'il vous plaît, parlez-vous, les deux camions sont là. On peut le terminer. Il faut combien pour tout faire péter? Il en faut 7 là, à minima. Ça sert à rien de tirer à 40 000, il faut juste suppresser deux trucs. Mais oh, Badlanders, what the fuck? Tu tires sur quoi ma gueule? Il est hyper low le pattern là, il est hyper hyper low là. Hein. Allez Hayden, pose-le. Hayden, c'est un détonateur, vous avez deux détonateurs. Vous avez deux détonateurs actuellement. C'est deux détonateurs que vous détenez dans les mains. Ce n'est pas une charge. Regardez, rouge égale charge, vert égale détonateur, les gars. C'est deux détonateurs que vous avez pas de charge. Ah bon ? On l'a fait plein de fois en live justement pour vous apprendre à reconnaître ces trucs-là, les gars, s'il vous plaît. Kenny est à genoux, je suis à genoux, l'équipe. Je vous en supplie. Vous avez un vert, cherchez un rouge. Parce que vous êtes le détonateur, il est la charge. La charge se pose en premier, le détonateur par-dessus. Vous dites au rouge de poser d'abord. Il y a une infanterie. Et c'est pour ça que j'avais demandé du gaz à la base. Est-ce que les gars qui avaient du gaz sont partis chercher du gaz pour en rajouter par-dessus? Je ne pense pas. Ils avaient un job. Kenny, vous avez deux chieftains, ils peuvent finir le pattern. Je m'en fous, on tape autant qu'on peut. Si les chieftains veulent taper, ils tapent. Je m'en fous, juste à côté. Il faut... Voilà. Allez, décharge, let's go. J'ai un détonateur quelque part? J'ai un déto quelque part? Est-ce que j'ai un déto? Ça sert à rien de suppresser si on n'est pas là! Il me faut un déto! J'arrive avec un déto, Kini. Ok, Vassili, un... Ouais, c'est bon. Suppresse ? Attends, attends, Vassili. Ils sont en train de répain. Y'a un mec qui vous fonce dessus, là. Ouais. Suppresse, s'il vous plaît. Eh, les batteuses, vous avez rien d'autre à faire que de suppresse, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On a perdu deux batteuses. Oui, mais c'est pas grave. C'est parti, go, 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 go. Si vous savez pas le faire, dites-le, je vous explique. Ça me dérange pas de vous expliquer, l'équipe. J'en m'en fous, je le dis tout le temps si vous ne savez pas poser la question. J'ai tout de suite compris ce qui s'est passé. Quand j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai tout de suite compris ce qui s'est passé. J'ai ouvert le sac, je l'ai récupéré sur l'épaule, j'étais en train de le mettre. Et vu que j'ai pris des TK de mon pote, je me suis fait OS au coup de poing. Mais sinon, j'arrivais à le poser. C'était sûr. J'ai tout de suite compris ce qui venait de se passer. Les touches sont proches aussi. Ouais, peut-être qu'il a pas fait exprès, mais il a quand même appuyé sur V. Du coup, ça fait que... Bah là, en gros, le patin serait mort déjà. Le patin serait mort. Le patin serait déjà dead. Et c'est pas grave si tu sais pas, et c'est pas grave de pas réussir. Mais si tu sais pas, il faut poser la question, y'a aucun problème. Y'a aucun problème.
explique du coup, peut-être qu'il n'ose pas demander. Mais en fait, il faut demander. Je ne peux pas inventer, je ne peux pas deviner qui sait pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire ça. Désolé, Kenny, gros. T'inquiète, c'est pas grave. C'est pas grave, si t'as pas fait exprès, Osef, on s'en fout. Juste, voilà, faut le dire quoi. Attention, il y a des colis à droite. On a toujours du suppress là-dessus ou pas? Attends, tu peux mettre en place. On va passer un peu plus à gauche, on va passer à gauche de toi maintenant. Quand vous pouvez. Quand vous pouvez. Personne de droite ou personne de gauche? On va taper à gauche cette fois, on va juste se coller. Attends, je te dis quand on y va. Face. Maintenant. Allez, tu vas pouvoir le poser. Non, vous pouvez pas poser les deux. Vous pouvez pas poser les deux. Désolé, faut le faire péter, vous pouvez pas poser deux en même temps. Trop loin, Yago Bomb. Merci. Je m'en fous, j'avance. Une charge. Je m'en occupe, poussez-vous ou je m'en occupe. Pétez-le. Il y a les tanks qui sont arrivés derrière. Faut que des chieftains terminent le pattern là. Kudoui en retour, du coup on a besoin. Allez, on va y arriver. Mais voyez, en gros, c'est assez simple en fait à faire. Vous voyez comment j'y arrive, juste je cours, j'attends de voir le drapeau clignoter. Tu vois le drapeau clignoter, ça veut dire que le truc il est suppressé et qu'il pourra pas tirer. Dès qu'il clignote, t'avances. Et en fait, tu n'as plus aucun danger. Tu n'as plus aucun danger, puisqu'en fait, le seul truc qui sont dangereux, c'est à droite et à gauche. C'est pour ça qu'il faut juste laisser la place pour rentrer, et c'est tout. Simple, c'était vite les balles. Bah, en fait, ça va, tu vois. Genre là, tu vois, je peux rester longtemps devant. T'as vu tout le temps que je suis resté? Je suis resté devant pendant une heure, j'ai regardé et tout, je sais pas si on en fait péter d'autres. Qui prend une charge? Racal, tu prends une charge? Je sais pas faire. Ok. Tiens sur les anciens portiques. On a une charge, ok. C'est pas suppresse. Tant que c'est pas suppresse, on n'y va pas. Attention les gars, attention les batteuses. C'est pas suppresse. Vas-y, go la charge, go la charge. Passe de mon côté. Passe pas devant les batteuses. Allez mon Zarek. Il y a deux détonateurs devant. Nice, bien joué la grenade, magnifique. Il est mort là-dessus, let's go. Ah, je lui ai mis 2 hits. Allez maintenant on démine. Wrench, on démine tout. Déminez tout. Tous ceux qui ont des wrench là, vous déminez tout ça. Vite, en vif. C'est la mission maintenant.
Continuez les charges, continuez les charges. Continuez pas les charges. FF. Non, pas de juste déminez-moi cette merde. Il y a une charge ici là. Il y a des charges partout, ouais, il y a des charges partout. Ok, déminez, déminez, déminez. Tu veux une charge, Skelly ? Non, 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 je vais faire autre chose, je vais faire un autre call là. Eh, l'infanterie simple, venez avec moi. L'infanterie simple, venez avec moi, s'il vous plaît. Il me faut quelques gars. Il m'en faut 5, 6, un truc comme ça. Genre quelques personnes. Nivex, très bien. Sentia ? Non, Sentia, c'est un mec dans un tank. Il en reste plus qu'une. Beretta, viens. Tous ceux qui peuvent venir là. J'ai besoin de gens, j'ai besoin de gens, j'ai besoin de gens. Et ouais, j'ai besoin de gens, j'ai besoin de gens. Grimper. Je suis full flasque. Ouais, on va changer de call. T'inquiète. On va prendre des alligators charge cette fois. On va prendre un maximum de personnes. Fais demi-tour Zenko, fais demi-tour, reviens au tunnel. Jekyll AFK dans la zone, ça m'arrange pas. Ils ont reset un point de victoire. Ok, c'est parti, on descend, on va chercher ce qu'il faut. Tous ceux qui sont à l'intérieur là. Tous une alligator charge. Tout le monde une alligator charge là maintenant. Tout le monde sur vous. Pas une tenue ou pas de part... Non, juste une alligator charge, c'est tout. Okay. C'est quoi une alligator charge? C'est dans la clé à molette et c'est une sacoche. Ok, c'est bon. Allez, on repart, on y va à pied, on s'en bat les couilles du camion, on y va tous à pied. Tous ceux qui ont une alligator charge, là, venez. Donc là, Kip, j'ai une question pour toi. Oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Là, en gros, c'est soit on va directement au cœur, soit on fait le deuxième pattern. Est-ce que tu penses qu'on met les alligators dans le deuxième pattern? Deuxième pattern, ça sert à rien, le premier, ça sert que dalle. Ouais, je sais, mais en gros, derrière, il y a le cœur de la bébé. Et c'est pour ça, en fait, on peut rentrer direct dans le cœur avec un seul suppress. Donc, je suis en mode, est-ce qu'on va direct dans le cœur ou est-ce qu'on va taper le deuxième? C'est ça que je sais pas trop. J'aurais dit plus le deuxième, en fait, hein, mais bon, après... Ouais, pour nous permettre d'avancer après, ok. Ouais. Ok, ça va. Ah, on se déploie où? Mettre une charge en plein milieu. On est Silk Farm. Bon... Le détonateur est pas arrivé. Ah. Ouais, mais attends, faut que j'ai squad lock, mais en fait... Comment ça s'utilise une alligator du coup? Tu la prends dans ta main? Tu prends la main. Et tu fais clic gauche. Tout simplement quand t'es prêt. Et partez en 5 secondes. Ouais, c'est ça, ça met 5 secondes à exploser. Et puis tu meurs avec Zimani. Quelqu'un pour reprendre le shift-ten? Bon. Allez les amis. Ouais, c'est parce que je pensais. Les amis, on a besoin de suppress à gauche, soit à gauche. Le suppress à gauche, s'il te plaît. On a besoin d'une batteuse qui suppresse ça. Est-ce qu'on a des grenades? Est-ce qu'on a des grenades à lancer juste derrière là, en vif? Il faut suppresse la Gatling, il faut suppresse l'anti-infanterie là, s'il vous plaît. Ok, on va courir, on investit, hein. Vous vous arrêtez jamais, vous êtes prêts? Vous allez dans cette direction? Je suis, hein. Vous allez dans cette direction. Attendez, c'est pas encore suppress. Dès que c'est suppress, je vous le dis, vous courez. Ça l'est pas. Ça l'est. Go. Courez. Vous collez ça au pattern, vous arrêtez pas. Wouah, j'ai pris au travers. On va entendre.
Très bien. Très très bien ce que j'ai entendu. On les a pas entendus avec toutes les bruits de batteuse, mais moi j'ai entendu en fond des petits. Ah, ça, par exemple. Nickel, on reprend les gars. Encore une alligator. On se fait la même, on se fait la même. Dès que vous êtes prêts, vous venez sur la route, je vous attends tous. Sur la route côté est. Sardoche sorti. Damn, we need more RPG. Oh, just kidding, man. On est good, on est good, on est good, on a des gens, c'est parti, une petite sacoche et on y va. Bon, je sais pas si on en a posé beaucoup, mais j'ai entendu du boom en tout cas. Si, si, il y en avait pas mal qui ont été pas. Au moins 5. Ah, il en faut, je crois qu'il en faut beaucoup hein, pour se pattern quand même. Hein. Déjà, rien que pour le cœur, il faut 38 sacoches hein, pour le casser. Ouais, les charges, c'est super chiant. Ça fait moins de dégâts, mais bon. Ouais, mais là, je nous voyais mal placer des charges, là, globalement. Ah, c'est tellement long. Ouais, c'est pas évident. Ouais, y a trop de joueurs derrière le premier truc en béton de merde, là. Ah, mais même les AVOC, c'est chiant, avec leurs deux charges, là. Ouais. Après, ça fait des sacrés dommages, quoi. Bon, ça fait les dommages de la satchel d'avant, je crois. Hein. Non, elle a été un peu nerf. Oui, maintenant, oui, mais avant, elle faisait beaucoup de dégâts, je crois, comme ah, ça, non faisait mal. Elle faisait mal. Ok, je vais juste ajouter à mon stuff une petite grenade frag pour essayer d'ouvrir le mec qui va nous bloquer quand on va arriver. Pourquoi pas mortier? Parce que ça fait encore moins de dégâts. Ça fait très très peu de dégâts le mortier. Il y a un 68, c'est un 68. Non, c'est pas un 68. Ok. Ouais, vous êtes prêts? On va y retourner. Dès qu'on a du suppress, on est bon. Dès qu'on a du suppress, on est bon, on y va. Je vous préviens, ok? Je vous préviens quand on y va. Waouh, ils sont tous prêts à nous attendre. Je pense pas qu'on puisse qu'on pourra y aller. Ouais, je pense pas qu'on pourra y aller. En vrai, attendez, je vais regarder de l'autre côté. Je vais regarder de l'autre côté. On a une batteuse. Est-ce qu'on a une malone ici là? Excellent! Dommage. Ouais, il y a un mec là-bas dedans en plus. Je vais continuer de faire le tour. J'ai pas vu le joueur arriver, j'ai pas stuff méga, ça va être impossible de placer les satchels. Ah, c'est impossible. Ouais, j'ai essayé mais c'était impossible. Là, le dommage, c'était bien le call de sauve là, ce qu'il a fait c'était excellent. Vous savez que sauve là, il aurait pu nous permettre d'y aller hein. Dommage, dommage. Bon, par contre, si on arrive à casser ça, c'est terrible pour eux. Hein. C'est terrible. Hein. Après, il leur reste que la bunker base du nord. Ce pattern, c'est genre combien de charges? J'ai pas compté combien de blocs il y avait, mais je peux répondre. Non, je vais prendre. Il n'y a plus que tu mets.
Pose sur les satchels, on va regarder un petit peu. Fumier fonctionne pas, on en a pas. Voilà, j'en ai demandé, mais on en a pas. On en a pas. Ça pourrait très bien marcher, mais dans tous les cas, ils jouent avec des batteuses. Donc juste, ils vont bourrer comme des idiots et ça va passer quoi. Sauf c'est excellent ce qu'il a fait. Hein. Je sais pas s'il a fait exprès de faire ça. Parce que ça reste un débutant et tout, mais c'était une excellente idée parce que du coup le véhicule quand il est détruit, il fait un truc qui prend pas de dégâts pendant quelques secondes et qui est invincible en fait. Je peux le tuer lui là derrière là, c'est quoi ça? Ah non, je peux pas. Non, c'est... il vient d'avoir une déco. Ok, le deuxième est cassé. Ah mais attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est un 10 les amis, c'est un 10 avec deux howitzers, 10 with two howitzers, je demande au bot, c'est 10 avec charge, beaucoup quand même hein. Thank you. Merci. 61 satchels, 10 avec charge. Combien de shells de fameux RPG là, on en a plus non? Il n'y en a plus une seule. Et B, on peut pas casser sans chieftain du coup hein. Ouais, en fait faut péter que celui de gauche, celui de droite il sert à rien. Faut péter que celui de gauche. Combien de 250? Je sais pas, je peux regarder. 95 shells de RPG et je mets 250. Grenade. 19. Il en faut 19 dedans. Quand même, hein. C'est. C'est possible de le détruire avec des mammons. Tu veux savoir combien il en faut pour les mammons? J'ai été répondre. Il faut 318 frère. 318 et pas une de plus. On a un problème dans les backlines. C'est pour que Mercy soit vert. Enfin devienne vert. C'est y a un débarquement à Mercy. Attendez. 318 quand même hein. Faut les toucher les 318 hein. Faut être courageux pour les mettre celle-ci. J'ai de l'argent. Attendez putain. J'arrive pas à fermer ma merde là. Ferme-toi. Oh, on peut pas être heureux là. C'est quoi cette dinguerie frère. Tu ramènes un push gun 95. Kenny on était un peu décalé. Tu veux qu'on... Vous n'avez pas entendu que j'ai chargé. Vous voulez qu'on réessaye ou pas? Ça passera pas là malheureusement, ou au moins tant qu'il fait pas nuit. Il y a un débarquement sur ma SU, là, ce qui paraît, il y a une vingtaine de colis et 4 chars. Ok. Ils sont en train de faire un débarquement, les colis. Ils ont envie de reprendre le contrôle de la war. C'est peut-être pas terminé aujourd'hui, les amis. Ils ont envoyé beaucoup de ressources de l'autre côté. C'est leur baroud d'honneur, je pense. Et si ça passe, ça peut être dangereux pour nous, par contre, hein. Pas bon du tout, ce que je viens d'entendre. Des colis qui ont tout donné là. Donc Mercy's Wish, c'est où déjà ça?
C'est où, c'est où? Il est où le débarquement? Merci Will, ouais, merci Will. Ouais. À l'Aude. Et il y a une bluefin qui a été posée pas loin du front sur le fil. 4 tanks qui ont les attentes de colis. Notre logis peut plus passer du coup. Ouais, c'est cut. Tu passes par The Clash très par le temps. Et le problème c'est que éteindre ça c'est impossible, non? Enfin ça va être trop long. Ouais mais il y a une bluefin en fait, on a du matos directement à Silk Farm. C'est quoi une bluefin? C'est le bateau qui transporte du matos, le gros bateau de transport. Qui remplace la whale quoi. Entre guillemets. C'est une bluefin colis, non? Ça ce que tu veux dire? Non, c'est un allié, c'est les Black, il a mis un message dans le chat région. Fini? Ouais. Ouais. Donc en gros, Kenny, ça peut nous supply le temps que nous on arrive à éteindre l'incendie à Medenvel quoi. Ouais, je sais, y'a plus rien. Mais en fait, on a plus de logis dans tous les cas. Non. Y'a 3000 roquettes. Hein? Y'a 3000 roquettes dans le bateau qui est juste là. Il est où? Regarde, qui est au bord. En fait, ça marche comme une bébé. Ah oui, d'accord, ils l'ont posé là. Wow, il y a 3000 roquettes et tout, il y a tout ce qu'il faut hein, pour vous péter. Hein. Péter hein. Il est où le bateau? Bah, viens, Slash. Putain, encore là. Il est où le bateau là, dont tu parles? Sur la plage. Attends. Ah, ils l'ont ouvert là? Il est à gauche. Ah bon, c'est pas à gauche, oui, il est en bas là. Là, viens, Kenny, viens. Oh, mais roi, on va se réveiller, on va tout péter, hein. Moi je sais pas me servir de ce truc là par contre. Hein. Comment on décharge? Après, faut rentrer dans l'eau, t'appuies sur E. Faut que t'ailles, ouais, faut que tu swim jusqu'à lui, t'appuies sur E. Oui, non, ça d'accord. Mais comment est-ce qu'on le décharge? Bah, en fait, tu rentres dans le bateau. Et comment on le décharge? Bon, y'a ce question. Oh non, il s'est noyé! Oh non! Parce que là, ok, on peut faire des barges de débarquement, mais on met du bateau, ça à l'intérieur. À l'intérieur du bateau, en dessous, à l'intérieur. Ok. Oh, je mets mon respawn dessus, Balek. Hein. Allez, go, full RPG, mec. Y'a 8000 shirts à l'intérieur, 8000. Go. Full RPG, frère. On leur met tout dans la bouche. Oh, j'adore quand tu dis ça. 3700 roquettes, wesh! On va se faire tellement plaisir. Ah, il faut tout péter. C'est 95 shells hein, pour péter le pattern qu'on a vu là-bas. C'est de la merde, hein. Ça pue la merde. 95 ciel et après on a ouvert la bébé, c'est parti. Oh, c'est parti. Et je veux 10 RPG à minima qui pilonne ça. Hein. So back. Damn, ça. Il nous faut du gaz dans tous les sens aussi, hein. Faut gazer à l'infini les patterns. Par contre, quand vous retournez dans l'eau, veillez à avoir full stamina, sinon vous vous noyez avec votre stuff. Non mais ouais. Tu prends un bateau à gauche là, regarde. Moi je prends un bateau. Non mais y'a des bateaux, là tu montes dans les bateaux. Là je rigole, t'inquiète. On monte. Donc vous appuyez sur E quand vous avancez, appuyez sur E. Oh, le bateau qui vient d'arriver, frère, la légende de ce putain de club. 4000 roquettes, ma gueule. Il est droit dans leur front, ce bateau. On est autosuffisant. Il faut leur mettre des roquettes jusqu'à plus soif là. Je sais pas si je touche moi. Faut que le pied soit blanc. Attention, je prends des hits. I'm taking hits.
Allez, à fond, à fond. J'ai pas pu bouger. Oh. C'est pas grave. Allez, je reprends du stuff, on y retourne. En fait, les medics qui te bloquent derrière, ça baisse tout en fait. Ça baisse tout parce que du coup, je me suis rangé et c'était de la merde. Ça fait quoi quand t'as le logo suppress sur toi? Bah, en fait, s'il est complète, si je suis complètement suppress, je peux pas tirer. On va faire un truc qui va libérer un peu le front là, regardez. Pendant que tous mes potes ils vont envoyer du RPG, faut que tout le monde envoie du RPG les gars. Démolissez-moi ces gars-là, je vous en supplie les refs. Pétez-les en deux, ok? J'espère qu'ils ont des masques à gaz en face, hein. On va libérer un petit peu la place pour que mes RPG puissent tirer. Sortez d'échelle de RPG ceux qui partent là, comme ça vous en donnez l'avance aux autres. C'est quoi Kenny, j'ai pas entendu ? Bah, je dis juste si vous pouvez sortir d'échelle de RPG et les mettre à l'intérieur avant de partir, comme ça permet à ceux qui reviennent pour ce refil d'avoir plein. Ah non. Pif. On peut pas reculer avec son bluefin qu'on fasse passer la barque entre les deux? Je pense que c'est le truc à faire. Hein. Ouais, faut qu'il le fasse. Mais c'est qui le maître du bluefin? Je sais pas. Aucune idée. Mais... regardez bien. Écrit, ça doit être écrit au... Get, le bateau, c'est du jamais vu, frère, comment il a du stuff. Là, on va essayer de libérer la place. Regardez, je vais les aider comme ça, moi. Bien joué, gars. Chercher. Ah, c'est beau, hein. Wouah, la dingue. C'est en train de se faire péter la bouche, ma gueule. La tanks. Stu 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 stu. La dinguerie. Crucifié. J'envoie encore du gaz. Ça c'est fait les gars. Continuez, 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 excellent. Ouais. Attention, le tank, recule, recule, recule. T'as le canon qui arrive. Mettez des roquettes dans le... Mettez des roquettes. Moi, je continue ce que je fais, hein. Je pense que c'est bien en vrai. Putain, mais tu sers à rien, sale chien. Oh, je les sens, je les sens. Avec la marche, si tu passes à droite du bateau, tu fais le tour du bateau où on est, ça passe à droite, je pense. Ouais, à droite, ça passe. Bah, tout à l'heure, ça passait pas. Il a déplacé le bateau depuis. Oh oh. Ah ouais. Attends, on va voir. Bougez pas, vous prenez pas de stamina quand vous bougez pas. Si, si, ça passe.
Nous, ouais, The Vanguard en doute. Normal, normal. T'inquiète, une fois qu'on a pété ça, ça va libérer pas mal. Hein. Est-ce qu'ils ont réussi à reset entièrement à l'OD ou pas? C'est où à l'OD? Oh, ils ont pas reset à l'OD! Le rêve, frère. Le rêve d'un homme. C'est incroyable par contre cet outil de débarquement, c'est de la dinguerie hein. C'est de la folie frère. Qu'est-ce que c'est que ça? Y'a un mec qui est arrivé. Non, la rap est bloquée. C'est un truc à soldat, ça c'est pas un truc à véhicule hein. Poignée là de merde là. Au pire des cas, on y va comme ça, entre les deux, et puis il faut aller chercher ça en deux-deux. Pourquoi vous essayez de charger les camions? Pour pouvoir feed la BDQ après. Ah oui, ok, je captais. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Tous les lance-roquettes à droite, raquettes de pattern à droite. RPG. Mais non, il pue sa mère là-bas, y'a le cœur et tout là. Hein. Tapez le cœur et le pattern à gauche. Hein. A droite, il sert à rien le pattern. Ce pattern, pourquoi on tape ça? Oh, on va le casser, mais il sert à rien. Le Hovitzer il est même pas dans le bon sens et tout. Franchement, c'est inutile. Hein. Il sert à rien du tout ce pattern. On est en train de gâcher les roquettes des frérots là. Eh non, personne répare parce que tout le monde s'en fout de son truc à lui. Il va me rusher dessus. Medic! Yes sir. Pas sûr, mais je crois qu'on a trois bateaux sur la gueule à merci. Ouais, donc ils ont un battleship, un truc de débarquement, et je sais pas si je crois qu'il y en a un autre avec. Probablement un destro. Ouais, ils ont un DD. DD débarquement et je sais pas quoi d'autre. Et probablement le battleship colon. Il y a le battleship colon, on tire dessus, nous on peut tirer dessus. C'est très bien, hein. Continuez ce que vous faites avec les lance-roquettes, hein. Cassez juste tout en fait. J'étais en mode faites pas ça, mais en fait juste pétez tout les gars, j'en ai rien à foutre. Démolissez tout, moi je continue de gaz la planète.
tire pas plus loin qu'avec le lance-roquette. Et prends du 250, tu le charges de 250 le CV et comme ça au moins on peut faire avec les shift-end. Ah ouais, d'accord, j'avais pas vu. Eh mais putain, attends. Et on se fait pilonner par la bébé là. Ah. Ouais, le long coup qui va devoir bouger. Allez, mes RPG, faut tout allumer vite là. Avant qu'ils partent, comme ça on en profite au plus vite, au maximum. Prends du 150 là. Allez, dis-moi que ça passe. Le TH est dead. Ouais, vu. Putain, what the fuck. Le tonneau le mort apparemment au-dessus. Hein. On n'a pas pété ça et on n'a pas pété à droite. Pourquoi c'est pas pété à droite? Parce qu'on a splitté les ressources. Qui a dit de péter à droite? Non, ça vraiment. Je m'en remettrai toujours pas. Hein. Faudra m'expliquer l'intérêt de casser ça. Hein. On peut reconstruire le TH ou pas? Est-ce que le tonneau peut être reconstruit? Medic! Need a medic! Thank you, medic. On vient de se faire voler un chieftain là. C'est qui ça, ce chat? Où ça? On vient de se faire voler un chieftain à l'instant là. Il sort d'où le chieftain là? De chez nous il sort là. Déjà 400 roquettes en moins, ça va vite. Bah ouais, mais en même temps, t'as vu ce qu'on tape En fait, si on arrive à tomber ce qu'il y a en face de nous, c'est goldé, c'est vraiment trop bon, là, tu vois. Et du coup, bah, ils sont obligés de le défendre coûte que coûte, parce que si on arrive à péter ça, on n'a plus besoin de s'occuper ici, on va déhusk le truc. Donc en fait, on va supprimer la fondation, ce qui fait qu'ils vont perdre toute la technologie, ils vont perdre l'IA, ils vont perdre leur respawn, ils vont tout perdre à cet endroit-là. Et on aura vraiment pris du terrain à ce moment-là. On aura vraiment, vraiment pris du terrain. Il y a du Lunar, ouais, tu m'étonnes. Qu'est-ce que tu fais? On peut passer. Mais ça passait tout à l'heure. Spammer espace. Spammer espace. Ça change quoi l'uniforme que tu prends? Les roquettes pèsent moins lourd sur moi.
Ça me permet d'en prendre plus. Là j'en ai 7, alors qu'avec un stuff normal, tu peux en prendre que 4. Allez, faut que ça casse les gars, faut que ça casse. Ça va casser. Vous êtes full, pardon, j'ai pas entendu. Allez, on va le péter à droite, comme ça au moins on va arrêter de s'occuper de trucs qui servent à rien. Il est cassé. Toujours rien d'être là, ça va pas bouger. Cela dit, si on arrive à péter ça derrière, c'est open bar. Je vais me prendre une roquette, mais vas-y. Hein. Ça valait le coup. Allez, faut forcer les gars, faut forcer, ça va passer. Pareil, je reprends une tenue, je reprends tout. Et c'est reparti. Bah en fait c'est 8 mini shorts, mais en même temps c'est censé tenir un front pendant longtemps. En gros c'est la seule base que t'as derrière les lignes ennemies. Il faut que le truc il ait des milliers de trucs, tu vois, et qu'il soit hyper tanky d'ailleurs. Il devrait pas pouvoir le tomber sur un cheese. Et c'est censé avoir énormément de ressources. Et en plus lorsque ça a l'encre, lorsque c'est déployé, genre ça a de l'IA je crois, non? Non, peut-être ça va pas d'IA, mais bref. Ça, c'est très fort, très très fort. Je sais pas si ça donne de l'IA ça, ce serait pas mal que ça donne de l'IA en vrai. Quelqu'un, c'est la meilleure lance-roquette? Ouais. Anti-bâtiment, y'a pas mieux. Et y'a que les Warden qui les ont. C'est tétra broken le Cutler. C'est une dinguerie. T'es super, super fort. Les colos, ils ont pas ça, eux. Donc, ouais. Ah! Et le Cutler sur trépied? Bah, c'est pareil en immobile. Avec le fait que le Cutler sur trépied peut tirer deux roquettes d'affilée, quoi. Avec une seconde de pause. Thank you, sir. C'était dans la CV. Allez, go. CV. Voloc. Il est où Benzi? Il est où Benzi? Sur le bateau, enfin, sur le bateau. Faut lui dire qu'il y a 5 chieftains chargés qui sont prêts au tonneau à être utilisés. Allez meilleur PG! Bah nous attention. L'infanterie push. Vas-y, comment on sort là? Ah, merci. Hop, tiens, on va arrêter devant tout le monde. Nice! Moins un. On tape le cœur, les gars, là, c'est le cœur de la bébé! Allez, on y est. Terminez-moi cette merde!
72 je crois. J'ai que des roquettes. 5ème medic. Oh non. Oh, j'avais plus de mun. Allez putain, allez, allez! Ça va pusher, ils se mettent des smokes, ils vont pusher le char. Ils ont mis... Allez, on récupère, encore, encore, on repart, encore. Encore, amener des shells. Amener des shells. Allez hop, plus que 3, enfin 4, 3, 2, et la dernière, 1, hop, 0 donc. J'ai pris un peu d'élan. Ah désolé Kenny, à la base j'essayais de faire des allers-retours pour du BMAT pour défendre la ville. Ah ok, je savais pas, je comprenais pas ton mouvement, mais du coup comment je descends moi? Ah ouais non, j'aurais dû prévenir. Comment je descends du coup? Comme ça. Ils ouvrent la trappe. Bien joué. Jamais j'aurais pensé à ça. Yeah. Super, super. Build, 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 build. Excellente idée le pont. Excellente idée. Allez les gars, on est à ça, putain, on est à ça, on est à ça de finir cette putain de bunker base qui nous emmerde depuis je sais pas combien de temps. Ouais, le pont c'est trop une bonne idée. Hein. Le pont ça va vraiment accélérer tous les allers-retours et tout, c'est de la folie. Hein. Des chars à 80 mètres, 200. Allez les gars, faut pas se laisser faire là, on leur montre qu'on a des ressources, on leur montre qu'on a beaucoup plus qu'eux. Vous tapez quoi là? Ah oui, ça va bien. Tapez, tapez, tapez. Sky, t'es un ouf, Sky, t'es un malade. Passe pas devant les roquettes hein. Grenade, grenade, grenade. Je bouge jamais frère. Sky, enlève-toi de là. Ah. Je suis mort. J'ai un coup de... Oh, je m'en bats les couilles, je bouge pas, j'avais pied dans le sol frère, je tape hein. Pied dans le sol, je tape. Non, t'es pas sorti. Allez les gars!
Il y a des lunaires, j'avoue, c'est très marrant ça. Le fait qu'il y ait des lunaires, c'est très très drôle. Tu sais quoi, j'aurais même pas dû me prendre la tête. Tu prends ça, et là je vais vous montrer la puissance de cette merde. Cette merde est trop puissante. Je viens de prendre un mortier, je me suis gouré. Je suis un débile. Le lunaire, il est où? Il est... Là, voilà, c'est ça que je voulais. Je vais vous montrer la puissance de cette merde, je disais. Hop! 2-4 émo là? Non, mec. Ça va vraiment lancer des grenades gaz, hein. Je suis un fils de pute, il y en a un qui sort de la base, hein. Voilà, c'est simple, hein. Je vais abuser presque comme eux de ce qu'ils font, hein. Ouais, mais je sais, Emma Plume. Si je suis encore en live, c'est parce que je sais qu'on est close de terminer la war. Et j'ai envie que la fin de cette war soit faite en live. C'est pour ça que j'ai cancel la plupart des trucs que j'étais censé faire normalement maintenant. Comme Season of Discovery avec Zerator et tout. J'ai tout cancel parce que je me suis dit, franchement, les gars, on a tellement joué à Foxhole en live. Je me dois d'aller au bout, quoi. Je le voyais vraiment comme ça. Et donc là, du coup, on a le pont. Yippie, y a pas de pont. Y a pas marché le pont? Yeah, I'm always curious to see tactics on both sides. So like, no. Why, mate? No. I'm with my fists. Don't do this. Let me fist this guy with RPG. Let me fist. Kill him! No. Les gars. Ah bah ils ont fini le cœur et let's go. On va perdre un tank là. Complètement con ça. Ah oui, ah non, ils ont pas fini le cœur encore. Alors hop, on recharge. Hop, on recharge. Hop. Moi tout seul, hein. Regardez le nuage de fumée que je crée. Hein. Ah moi tout seul. Voilà. Let's go. Regardez la dinguerie. La pure dinguerie. C'est trop fort. Thank you, medic. Bon choix. Soit allongé, soit tu prends ton arme, soit tu peux shifter. Oh ! Oh ! On me suivait voler là encore ! Je me suis fait voler. Cela dit, je suis en train de tanker l'IA depuis tout à l'heure pour mes frérots. Donc là, pour l'instant, je suis en train de faire un travail de tanking exceptionnel. Parce que depuis tout à l'heure, l'IA ne tire que sur moi. Et pendant ce temps, il n'y a que moi qui prends les dégâts. Donc franchement, très lourd. Très très lourd pour l'instant. Excellent. Oh, ils sont en train d'essayer de le terminer. Ouais, bouge pas, tu vas pouvoir me raise normalement. Excellent. Non. Pas de peau. J'étais en full tanking là. Depuis tout à l'heure. Oh, ils ont redélé de ça. Là, c'est le malaise, hein. C'est le malaise, hein. Parce que là, ils sont en train de faire un vrai big débarquement là-dessus. Et c'est assez chiant. C'est assez chiant, ouais. Ah, ils ont dans ça à chaque casme, trop bien. Bah, du coup, il nous resterait théoriquement que ça pour libérer l'hexagone. C'est les roquettes que je prends là.
Ouais, je prends ça, je prends même pas le cutler, hein. Ça sert à rien de sortir un cutler, il y en a partout par terre. Hein. Je pense là en gros j'en sors plus des cutlers et je fais genre dropper mon stuff de base, je prends juste full roquette sur moi. Donc vraiment full roquette, j'en prends jusqu'à me remplir l'inventaire. Jusqu'à presque 100%, c'est 9% par truc, donc j'en prends 10, même 11 en vrai, je prends 11 roquettes sur moi. Dans ce qui est la place, 4,36, ouais, du coup 5,45, et ça. C'est des multiples de 9. Ils peuvent pas FF les colos ? Bah écoute, ils sont toujours là, et mec, ils peuvent remonter la war. En fait, faut pas penser que c'est free, hein, faut pas penser que c'est gratuit. Hein. La guerre, on est sur le point de gagner, mais ils peuvent remonter, c'est possible. Encore une fois, j'insiste, ce patch de la war, c'est un patch colo. S'ils se mettent à jouer, on a perdu. Hein. T'es un menteur, la guerre est finie. Bah, moi, pour l'instant, je vois pas 32 sur 32, la guerre est pas finie. Hein. Je vous jure qu'elle est pas finie, les gars. Ça peut très bien se retourner contre nous. Hein. C'est impossible, le moral est au plus bas. Tu sais pas, mec. Tu sais pas. Franchement, moi, je pense faut pas manger de l'ours avant de la peau de la monnaie de sa pièce. Y'a un battle bot qui arrive. Un battle bot ou ça ennemi, un battle ship. Qu'est-ce qu'il faut raconter? Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, le problème c'est que si un colo se dit ah tiens je vais sortir un tank pour aller au front et aller les aider, en fait ça lui prend 5 minutes d'arriver au front. Nous si on se dit ça, ça nous prend 30 minutes de trajet. Donc ouais. Il y a un cutler quelque part là. Oh la dinguerie. Insane de ramener ça. Mais non, on leur a volé un stick jam. Enfin si vous arrivez à le sortir. Ouais, ça va être compliqué. Ok. Well, we can't get out. Tank sur la route, préparez-vous les RPG, on va l'allumer. Hein. Attendez, hein. S'il avance, il est mort. Troisième DB à droite, il est toujours. Troisième DB à droite. Sur droite. Droite, gauche. Skip. Il recule, je ne sais pas où il va. Un petit mec. Je suis bloqué. Je suis. Oh, c'est quoi ce bordel? Tu viens de spawn là? Je suis bloqué. Oh, je suis invisible. Oh, me tue pas, c'est moi. Attends, je suis là. Touche pas. Non, attends, je suis là. C'est quoi ces bugs gauche? Ah, tu me vois là? Ah, franchement, ils ont plutôt mal géré. On avait que des RPG, ils auraient largement pu nous repousser. Et pareil, là, ils ont rien fait quoi. Sur quoi tu tires là? J'ai pas compris. Je tire sur un pattern de bunker base en face de nous. Parfait ça. En fait, on tire pour casser tout le béton qui est en face de nous quoi. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain, faut l'aider.
Ça a été c'est un engin Warden volé par les colis ou... Ah non, c'est notre frérot qui tire. C'est nous qui tirons. Besoin d'aide? C'est quoi? Vous tirez sur quoi? Il y a un tank qui est passé. Il y a un tank qui vient de passer, un colis. Ok. Je leur fais confiance. Elles sont impossibles à remplir, les ruines de bébé, ou c'est juste que ça vaut pas le coup? À remplir? C'est-à-dire? Genre reboucher ces trous-là? C'est pas possible de reboucher ces trous-là, non. Il faut les casser, les démolir. Ou les reconstruire. Mais vu que c'est trop coûteux, on a tous la flemme, quoi. Merci, les gars. Je tue le de loin. Ouais, ça sert à rien de casser le reste, là. Ils ont perdu leur respawn, c'est bon, maintenant, faut PVO tout ça. C'est RPG, hein. Je lui ai mis toutes mes shells dedans. Même si ça boune, c'est pas grave. Oh, putain de merde. Oh non, t'aimes pas. Tout est white encore. Oh, ils nous font chier. Là, on est très proche de leur logis, donc ça va être super facile pour eux de répondre. Il faut réussir à déosque cette bunker base pour régler le problème de ce push ici. Il faut consolider ici, détruire ce qu'il y a au-dessus. Une fois qu'on a détruit ce qu'il y a au-dessus, on peut reconstruire tout ça, garder le pont cassé ici. 29 sur 32, ouais, ils cassent des VP en fait. Ils cassent des VP, ils nous cassent les couilles, ouais, surtout. Et bah surtout que le 30e, il est là. Le 31e, il est là. Voilà. Ils cassent les couilles, ouais, c'est ça qu'ils font. Tout va bien, l'équipe? Gestion de crise, je finis, j'arrive. Ça marche. C'est l'heure de la bouffe, excusez-moi. Pas de problème. Putain, ce sera pas le dernier live, les gars, je suis dégoûté, frère. En plus, je suis sûr. Que les gens ils vont jusqu'à 4h du mat, les Warden, et on va finir par gagner. Je serai plus en live et je suis dégoûté. Hello there. C'est nouveau Daniel Radcliffe là. Fais chier. Hello there. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment? Où se fait qu'il casse? Pourquoi ils cassent le tonneau là? Ils nous font chier? Ils le font avec du feu, et comme on a pas de pseudo. Il y a plus de shirt surtout, donc il y a plus de shirt de tenir. Ouais, je vois. On a un canon avec 150 shirts qu'on a pas le temps de vider. Ok. Et on a aussi beaucoup de satchels et d'explosifs pour les bâtiments. C'est excellent, mais qu'est-ce qu'on se fait chier, putain, on était à ça de l'avoir. Le dernier VP là. Ouais, ils ont fait des landings et tout, juste en vrai, merci. Ouais, on était prêts aussi, et puis quand c'est repassé vers la déception, mais c'est pas grave. Gaffe, y'a des mines sur la route. Hein. Les gars, c'est pas safe ici. Putain, il a pas de bémat. Qui est dedans? Les colis? Ouais. T'as autant de ch... Faut juste tuer. C'est le tunnel, pardon. Faut qui? Le tunnel est encore détruit. Oui, il est détruit.
Ouais, c'est primordial. Il est pas là le GIC. Au moins, ils pourront plus tirer. Mais attends, c'est à nous, c'est cassé ça, c'est quoi ça? Oui, alors en gros, le colo est monté dedans et il a niqué le tonneau là avec. Ah, ok, ok. Alors bien joué à lui. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça nous fait chier, hein. Ça nous fait bien chier. Hein. Donc il faut mettre son spawn là, c'est dans le bateau. Ouais, parce que là ça sert à rien pour l'instant. Il faut. J'espère qu'il nous reste du B-Matin parce qu'on en avait beaucoup là-dedans. Bordel. Alors, voyons voir, je vais repasser le jeu en low pour pouvoir y voir quelque chose, parce que c'est comme ça que le jeu fonctionne. Alors... Bon, bah on a cassé pas mal de béton là quand même, c'est pas mal en vrai. Ah ouais, je pense qu'on avait essayé de construire une bébé ici, mais ça s'est mal passé. Ah, ils ont encore une bunker base là. Oh là 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 là. Oh, ils ont encore deux bunker base. Il est en sexo lui. C'est un fou. En fait, c'est pas fini, il faut continuer d'allumer les gars. J'avoue que s'ils ouvrent ça, par contre, c'est champ libre pour le deuxième cœur. Après, il reste un cœur de bunker base ici. Et après, c'est fini, là. Je vois le croisement, là. C'est terminé, après, non? Quel enfer. Là, il y a d'autres trucs, après. Non, il n'y a pas de bunker base, pas de bunker base. Il y en a une autre, après. Il y en a une troisième, je crois. Oh, ils nous font trop chier, frère. Il y en a une troisième, là, non? Faut casser le cœur en béton là-bas. Là. Ça bouge pas. Hein. Oh, fabuleux le pattern à gauche qui a été pété. Excellent, les gars. Faut casser le cœur en béton et puis on n'en parle plus. Il reste que le cœur en béton là. Ouais, un cœur en bois et un cœur en béton. Je sais pas par lequel on commence, mais les deux sont jouables de toute façon. Allez, 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 allez. Il nous reste un cœur en béton à détruire. Un cœur en béton et on n'en parle plus. Allez, sauvez votre tank, sauvez votre tank, sauvez votre tank. Avancez, 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 avancez. Sauvez votre tank, sauvez votre tank. Ah, il nous faut une équipe de démolition pour casser deux cœurs de bunker base qui sont accessibles. On y travaille, chef. Full démo là, full démo. Pour le charger.
Je répare un camion, comme ça je me mettrai en marche arrière, on chargera de tout ce qu'on a besoin pour aller sur le front. Il y a plus de 1000 roquettes qui sont parties là déjà. Folie frère. Folie, folie, folie. Trop bien hein. Trop bien ouais, mais folie hein. Faut s'y tenir quand même hein. Plus de 1000 roquettes déjà parties, ça c'est impressionnant quand même hein. Le mec qui a ramené ce bateau, globalement, bah, il a fait tout le push. Hein. Voilà. On aurait tenu de l'autre côté, mais on était en flux tendu de fou. Hein. On était en flux tendu, c'est du jamais vu. Hein. C'est très fort l'utilisation de ce truc. Je sais pas qui a fait ça, mais c'est vraiment excellent, excellent, excellent. Merci, Bibou. Allez, je vais envoyer cette roquette. Lucas Shirt, ouais, c'est fou. Bah, il pourrait en avoir plus, c'est pas le plus impressionnant les 8000 shirts. Hein. Enfin, je te le dis, les 1000 cutlers et les 4000 roquettes de RPG, c'est déjà d'autant plus impressionnant. Hein. Ça a une sacrée gueule quand même d'avoir ça à l'intérieur. Hein. Allez, mon gaz. Comment ça, mon gaz? Oui, au lunaire, montre-leur. Excellent, excellent, montre-leur, montre-leur. Mais le cœur il est accessible. Ils sont juste là. T'es sur quoi toi? Camion qui arrive, camion qui arrive. Encore un pattern de cassé, excellent. Il y a un pattern de cassé à droite, on est free. Protégez le frérot. Il nous faut des frérots là qui gazent à l'infini en face. Hein. On en a trop besoin. Attention, gaz, gaz, gaz. T'inquiète, j'ai ce qu'il faut. Ouais, bon, autant pas consommer. Ouais, on a plus. Là, l'infanterie elle reprend. Cela dit, on peut toujours taper à droite. Hein. Ça sonne pas du béton là. Non, c'est du bois. Je crois qu'il a déjà, il a déjà été cassé, ok. Nice. Mais il reste un cœur, quoi. Il reste un cœur. Le dernier cœur en béton, là, à casser, c'est tout. Faut faire de la place à nos véhicules, surtout. Voir où est-ce qu'on peut, on peut les placer. En fait, c'est la tranchée à gauche, ils sont trop longs. Hélas, tu sais ce que ça veut dire, ce qu'on vient de voir là. Ce que je viens de voir là à l'instant, ça veut dire qu'on va prendre tous les deux un masque à gaz 3 filtres, un Blake Crow, une baïonnette, un bandage, ça va jeter des grenades gaz partout dans le cœur, et ça va courir dedans, je crois. Hein. Je crois que c'est exactement ça que ça veut dire, et ça va tuer absolument tous les respawns, on va se prendre chacun d'un côté de la bunker base, et ça va tuer tous les respawns, hein. Et le but, c'est qu'il n'y en ait aucun qui puisse respawn et jouer, donc c'est parti. On s'équipe, on prend un masque à gaz... On prend 3 filtres. Voilà. On prend une baïonnette, un Blake Crow. Voilà. 4 chargeurs, 3 chargeurs. Allez hop, 3 chargeurs, ça suffira. Voilà. On équipe les deux. Ensuite, on prend une grenade gaz, une smoke. C'est parti, l'équipe. Hein. Ça va rentrer dedans en grande pompe. Hein.
Je vais rentrer dedans, je vais tuer tout le monde. Ah, oh, j'ai balancé une gaz, j'ai tué au moins 10 personnes, facile. Excellent, excellent. Mais faut le timer. Y'a full avoc dans le camion, je le prends ou pas? Allez les gars. Laissez passer le roi du kill, du respawn kill là. OMG. Merci chef. Ah non 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 non. Niquez-le. Ah gars. Tu pas mon éteint d'artillerie. Putain, j'ai pas de peau. Bon, ça va, c'est détruit. C'était le dernier cœur, les amis. C'est terminé. Non. Ça y est, nous y est. C'était le dernier cœur de Bunker Base qui leur restait. Maintenant, nous allons pouvoir PVE tout ça avec des Havoc Charge. C'est terminé. GG on this one. Est-ce qu'ils ont recap vers Alot's Blight? Je pleure. Non, par contre, ils ont turncoat. Bizarre. J'ai laissé péter les frères. Donc là, maintenant qu'on a réussi à faire ça, il faut PVE tout ça, mais on a deux choix. Soit on va vers le nord, soit on remonte vers Alods. Je sais pas comment ça se gère vers Alods en ce moment. Je pense qu'il va solider un peu l'arrière aussi. Hein. Parce qu'on se prend tellement de... À tout moment, on peut se faire retourner. Ah, Lod, ils sont en train de souffrir. Hein. Ils tiennent du mieux qu'ils peuvent. Voilà, ce qu'on a cassé, c'est un peu énervé en vrai, mais au nord-ouest, ils ont la même. Hein. Je vais le transférer en arrière. C'est assez infernal d'ailleurs. T'as du T2 derrière aussi. Encore du T2 derrière ce qu'on a cassé? Et après t'as du béton qui decay. Oh oui, c'est excellent ça. Il y a une autre bébé à l'est de l'autre côté du pont. Mais c'est en train de pilonner notre bateau là. Alors il y a deux battleships et un destroyer au minimum, c'est compliqué. Mais t'inquiète, les batailles navales vont s'organiser là. Il y a des batailles navales qui s'organisent. Bon, entendu sur Live d'Alpha, trop bien. Ça se passe semi à Bod. À Bod ? À Lod, tu veux dire. Thank you. On démine les gars, tranquille. Prenez l'échelle là, quand même. Ouais. Non, bah, je suis super, moi. Là, je suis en full gear là. On m'a tout pris, frère. On m'a tout pris. League of Legends m'a tout pris. Devenir fou. J'ai de l'argent. Devenir fou, devenir fou. Devenir fou. Devenir fou en fait. Peut-être si je me mets en dessous, je peux peut-être rentrer dans un véhicule. Je vais me noyer, je me noie. Je me noie sous la map là. Un mec qui va voler un balistan et... et on va juste le perdre parce qu'il se fait piquer par la T genre. Ouais, c'est pas grave hein. T'es trop con. C'est cool. Oui, non, mais fallait pas le voler maintenant quand il y a lien. Ah oui, je sais, bah ouais. Et pourquoi on continue à gaspiller des chaînes de RPG alors que les patins de Dieu Radia et qu'on a pas dit du tout? Si, mais bon.
bateau est invincible les gars, c'est... What? Le bateau il prend 0 dégâts? Allez l'équipe. Putain, regardez la minimap, toutes les bunker base qui sont blanches. Vu la cadence de tir des mortiers, c'est pas des mortiers, c'est des artis, ouais. Non, ça tire plus vite encore un BS, je pense. Bah non. Hein? Qu'est-ce que vous racontez? Il est pas mort le bateau? Non, il a levé l'ancre parce qu'il se faisait pilonner par l'artillerie. Et du coup ça annule. Failli m'avoir deux fois là. Ah par contre on est dans la merde parce que si ça annule le point de spawn, ça nous fait spawn à une relique à l'autre bout du monde. Bah ouais, donc faites attention à pas mourir. Attention Elaz. Bah y'a des gens qui réparent actuellement, qui bouchent les trous, ils vont essayer de vider l'eau. Terrible idée. Ah tu vas les aider hein. Attention avec cette tranchée les gars, elle est terrifiante, faites gaffe. Rentrez pas dans cette tranchée là. Ouais, t'es dans le bateau, je vais y aller. Mais prends une charge, Vassili. T'inquiète, ouais, prends une charge, comme ça tu reposes après. Attention. Ouais. Attention. Ah. Super, magnifique celle-là. Max range, hein. T'as vu, il m'a reset ma range. Attendez les gars avec les avoc limite, hein, on les laisse finir. Utiliser des shells sur des trucs inutiles s'il vous plaît. Vous préférez qu'on utilise les avoc en vrai? 170. Elle va fail d'IA les gars. Dans 5 minutes on peut passer sans avoir à craindre. Y'a plus de viveur, elle est juste vraiment très loin après. Quand vous le sentez. Le but, c'est que même si ça dure plus longtemps. Ok, attendez, on va regarder avec les avocs ce qu'on fait. Foutez là, ici, là. Entre les deux. Là, l'IA ici elle va fade out, mais les patterns plus en avant, ceux en bois. Ouais, je sais, mais c'est, en gros, c'est pour delete le T2. C'est pour delete le T2 en rapide, comme ça ils perdent l'énergie et ils tirent de plus moins loin pendant 5 minutes là. Juste parce que voilà. Okay, au moins, comme ça c'est fait. Vassili, pose là. Je pose là. J'ai un ordinateur avec moi. Là, ici. Là. Ouais. Merci. Sur ton ping, hein. Ouais. Merci beaucoup. Voilà. Ouais, le T2 c'est one tap. Ouais, nickel, c'est bon. On va pas forcer là dessus, de toute façon ça va fade et decay tout seul. Attention, il y a l'IA à gauche. Mais bon, là tu vois, j'ai désactivé l'énergie donc c'est mieux déjà. Vas-y, j'ai plus de balles, j'ai tiré sur trop d'avoc. Allez, dégage. Faut attendre que l'IA fade pour qu'on puisse passer tranquille. Voilà, c'est là,
En vrai, attends, viens avec ta AVOC. Y'a quelqu'un qui avait une AVOC, non? Ouais, il y a un LTD devant. Où ça? Ah oui, LTD, 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 LTD. Putain, j'ai rien pour lui, j'ai le seum. Je peux que le décrou. Y'a quelque chose dans un cadavre là. Et oui, vous voulez faire exploser Kenny ou pas? De quoi? Ah, mon but c'était que tu le mettes là. Vous voulez un AVOC? Vous voulez faire ça où? Tiens, tu vois. T'en fous une au ping. Ça va se prêter de partout. C'est quoi cette arme? Vas-y, sauve. Attention les gars, ça va péter. Écartez-vous l'équipe, mets-la au milieu. Ça te va là? Ouais, c'est parfait. Il y en a qui arrive là. Ça va peut-être pas tout péter d'un coup vu que là c'est un gros pattern. Il a reculé, je pense. D'accord, on va chercher une autre. Très très loin. Les gars, je peux avoir une squad sticky en même temps là? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent ramener des sticky, des trucs? Parce qu'en fait, si on pète le pattern, vous pouvez courir à droite et sticky le LTD et c'est terminé sa vie. On a plus le bot. Ouais, c'est vrai qu'on a plus le bot. Oh, l'old blight est redevenu. Oh, on est re à 31. Le rêve. Non, il a bougé, il a bougé. Il a bougé, il y avait de l'artillerie sur. Ça, par contre, ça nous tire dessus là, c'est nos frérots là qui font ça. Putain, mais. On se prend notre propre napalm. Cassé. Fire! Ouais, bah bien chiant. Ouais. Ah, bah bien. T'as les Niska qui viennent de nous éclater. Ouais. C'est bon, y'a plus d'IA, y'a plus d'IA, y'a plus d'IA. Sur les premiers trucs, hein. On a plus de. Enfin, on a béton, plus de... y'a plus d'IA. Y'a plus d'IA béton à gauche. Y'a plus d'IA T2 à gauche. Par contre, y'a encore de l'IA T2 en face. Faites gaffe, au milieu de la route, y'a de l'IA. Mais pas à droite. Encore ? Chier, hein. Ils ont encore une bébé derrière, une autre. Mais elle sortit, y a pas de oui. Encore un béton, ouais. Encore un béton. Attention, on en plein le cul. Des bébés béton. On en a plein le cul. Ok. Tank sur la route. Ouais, LTD, LTD. Ok, putain. On est re à 31 sur 32, on a réussi à récupérer à Lot Blight, c'est quand même une excellente nouvelle. Quelqu'un a une branch? Non, désolé BG. On est à 100, hein. LTD plus Spata. Okay, tank ennemi, tank ennemi. Spata plus LTD. Tank ennemi qui arrive. Spata à droite. Qui arrive de ouest. Oui, t'inquiète, je faisais les calls justement. J'ai de l'argent. Il est dans la merde là, le tank. Il est track ou juste il bouge? Je crois qu'il est disable, non? Il est disable, hein? Je crois qu'il est disable. Ouais, il est disable. Il va passer sur. Ok, il est. Non, il était pas disable, il est juste con, il est juste teubé en fait.
Ah ouais, peut-être tout seul, il change de poste. Ouais, c'est ça, il est tout seul. Il peut pas se cacher, il peut pas aller plus loin que ça. Il est bloqué. Il nous faut des roquettes. Mettez des échelles dans ses chenilles. C'est pas grave si vous prenez une roquette. J'ai rien. Ah, ok. J'ai fait de roquettes. Bah, il en faut. Sauf que on en a plus là. Ouais, dans la prochaine. Il est sur le toit. Putain, quelle tristesse. Ah bah si. Ah oui. Pas la première. Aïe. Gardez-le en mire, Mais dis que t'as des trucs. Oh, il m'a éteint instant, je le sais. Oh, pas de soucis. Mais il creuse là, vraiment, devant nous, il creuse. Eh oui, ce sont les rois des trenches. Voilà. Ah, bah c'est bon, y'a Kemo. Kemo, viens, on va au bridge vite fait péter le bouton. Y'a un tank complètement immobilisé devant la BB nord-ouest. Ouais, il faut aller chercher du pivot et French. Y'a pas ils sont en train de rebuild le bridge, faut absolument qu'on laisse pas rebuild. Mais j'espère que c'est pas nos alliés qui sont en train de build parce que sinon je vais péter un peu. Et t'aurais bien raison, mon gars. Aidez-le. Oh non, putain. Il est. Dommage. Y'a plus personne faire step sur le pont, y'a plus rien. Amenez une avoc charge ici, il faut amener des avoc charges sur le pont là, faut le délai en deux spi là. Merci. Oh, il est mort. Hein. Il est mort le pont ? Oui, il est mort. Hein. Ah, on m'avait dit que. Oh, mais attends, mais il y a un gars là. Ah, mais il est mort le pont. Il est dead. Mais c'est chiant. Ouais, c'est juste qu'il y a des mecs en face et tout. Ah, ok, good. Ah, non, c'est bon. Good. Je vais aller déminer un peu. Ok, excellent du coup, excellent. On avait réussi à reconstruire à l'Old Blade, donc c'est très bien. Sauf qu'ils l'ont redétruit direct. Vous avez vu ce que ça fait une logis ? Là, on pouvait respawn à côté avec des RPG full munitions et tout. Vous avez vu comment on a accéléré le push instantanément ? Logique, hein. Mais là, on était... Hein ? Vanguard est passé vert, carrément. Tiens, Est-ce qu'on peut péter le T2 ? Il nous faut juste une avoc, attends, vite. Il y aura des patterns béton en face. Je vais chercher l'avoc. On va attaquer d'abord celui de gauche. D'accord. Et ensuite. Non mais. Quelqu'un peut prendre un détonateur s'il vous plaît ? Détonateur à l'intérieur. Non, ça va aller très vite. Il faut, il y a déjà une charge de poser. Ah ouais, il n'y a pas de déto ? Non, le T2, non, on va pas y toucher. Il n'y a pas de détonateur, c'est ça ? Ouais, vas-y, pas grave, on avance, au cas où. Les gars, vous avez pas un peu des mains dans le pour réparer les charges vite ? On n'a pas de logis, mec.
Ouais, et surtout on a perdu Vanguard là. T'en aurais pas assez, mec. On peut me suppresse le truc? Can you suppress? Suppress fire? Bibou, t'es là? Ouais. Ok, I go. Whenever it's suppressed, I go. It is, go. Quelqu'un pour le finir! Pitié, quelqu'un le pose! Le suppress est très mauvais! Si quelqu'un le pose, c'est terminé. Plus humain qui fout le chill là. En fait, on est obligé de faire quelque chose là pour Vanguard, effectivement. Surtout que. Là les gars, on est dans la big merde hein, si on fait pas demi-tour pour Vanguard hein, parce que là s'ils peuvent rebuild leur bébé béton, on a rien des husk hein, derrière, hein, ils peuvent tout reconstruire. Ni moi boulet. Après ils peuvent tout faire. Tu récupères le bimat, c'est bon? On est où là? Après je récupère, mais si vous pouvez aider à prendre du bimat, mettre dans le camion de côté. Y'a urgence hein, y'a urgence l'équipe hein, sur Vanguard hein. On a rien des husk derrière, s'ils reconstruisent les bébés béton, on est baisé hein. C'est quand même fort un bateau comme ça, putain. Je vais aller regarder, ok? Je vais prendre de l'intel, je vais vous dire ce qu'il y a. Ça va pas être très compliqué. Ah oui, c'est vrai, putain. Putain, moi je voulais pas couper mon live tant qu'on avait pas gagné, mais ils se sont chiés dessus là les autres, ils se sont chiés dessus. Tu vas où? Bah je vais voir ce qu'il en est à Vanguard. C'est gagné dans 40 minutes. Oh, peut-être. Probablement pas, hein. Honnêtement, probablement pas, hein. Citaria push hard. Ah oui, ils sont bien, Citaria. Sauf que bah, c'est bien d'avoir Citaria, mais bon, il faut quand même qu'on tienne les points de victoire. Et là, on n'a plus à l'autre blight. S'il le rebuild, ça veut dire qu'on va devoir se retaper en 20-30 minutes et tout. Moi, je serais d'avis de respecter l'adversaire et de jouer sérieux jusqu'au bout. Ils ont pas dit à là-dedans. Probablement une Watchtower Colo en train d'être posée. Des pillbox à nous qui sont inefficaces. Non mais le problème c'est sous-estimer faire les friendly avec les colos alors qu'on était 31. À 31 on aurait pu safe et jouer sérieux. Mais tu sais que nous c'est pas le problème hein. Nous ça tient frérot hein. Nous ça tient et on push même hein. Même si on a fait ça, je suis d'accord que c'était pas super. Mais globalement, c'est pas ça qui nous a fait défaut. Hein. C'est pas ça qui a fait qu'on n'est pas à 32 sur 32. Hein.
En fait, la logie elle vient du pont là. We must move! Un peu chelou, mais vas-y. Bah, de toute façon, on n'en manque jamais. On va commencer à avoir pas mal. Un peu chelou la prise de conscience soudaine. Je veux dire, dans le véhicule, t'as toujours de la place ? Ouais, 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 il y en a, ouais, j'ai déjà fait un petit transfert. La prise de conscience est quand même très soudaine, mon cher ami. Rokemo. Tu parles de qui, Camille ? Oui. J'ai réussi à revenir. Après 15 minutes de marche à pied. Dans l'inventaire du... Ah non, bah non, je suis con. Est-ce que tu peux récupérer tout à la main ? Faire un aller-retour avec... Ouais, ouais. T'as bien raison. Bon, ils nous emmerdent là, les autres. Steven, tu viens m'aider à. Moi, je comprends pas de quoi. Moi, je comprends pas comment Drenet Veil tient encerclé. Comme elle est depuis le quasi le début du live. Mais c'est normal. C'est quasiment impossible à taper en fait. Oui, c'est vrai, chou. Je sais même pas si je peux monter. C'est quasiment impossible à prendre parce que regarde, en gros, ça a beau être entouré. Regarde ce mur, ce truc blanc là que tu vois, c'est une muraille infranchissable. Et monté à bord. Qui traverse de part en part la ville en fait, rien que ça. Tu vois, elle traverse tout ça là, tout le territoire colonial comme ça. T'arrives pas ? Non, 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 faut que tu sois. Et en gros, on peut passer que par certaines embouchures, genre en gros, on peut faire que ça, ça, tu vois. Et en fait, elle traverse la ville ici. Et en plus, jumping. T'as un pont là, un pont là, un pont là, donc en fait sinon, c'est que des goulots d'étranglement horrible. Par là, c'est de la merde. Tu vas vers là, redescends, essaie d'appuyer sur Shift E et ça va te proposer monter à bord. C'est infernal. Infernal. Et quand tu détruis des trucs là-dedans, prendre de l'espace, c'est un peu. Tu peux pas monter dessus, non ? Enfin, pas partout, je crois qu'il y a des endroits où tu peux. Je suis même pas sûr de ce que j'avance en bas. Ah si, tu peux, mais que du côté colo. En gros, tu peux, mais de ce côté-là, je crois. Ah, tu montes, tu grimpes, tu appuies sur espace, non ? Tu peux pas ? Non, je peux pas. Je suis coincé dedans. Ah. Ah, si, j'ai réussi ! J'en ai deux. Bien joué. Ah, je sais pas, j'ai réussi du premier coup, du coup, je comprends pas pourquoi t'arrivais pas à la range. Je sais pas. Ça, c'est irrécupérable, malheureusement, parce que les colos y forcent, et ils ont bien raison. Bon, moi j'ai pas de visibilité sur ce qui se passe. Je n'ai aucune visibilité. Alors. Très bien. Très bien, très bien. Je regarde un petit peu ce qui se dit partout. Mais j'ai pas beaucoup plus d'infos. Ouais, je sais pas si j'avancerai beaucoup plus là maintenant. Je vais vous laisser là, moi, les gars. Je pense que la guerre va être gagnée ce soir, mais je pourrais pas être dispo, malheureusement. Je pensais pas que ça durait aussi longtemps. Je pensais honnêtement qu'à 22h, c'était plié large. 22h max, c'était plié. On dirait que tous les colos qui étaient partis reviennent pour les derniers jours de guerre. En fait, oui et non. En gros, non, c'est faux. 90% des colos sont plus là. Mais en fait, c'est plus facile de tenir des fronts sur 5 hexagones que sur 15, quoi.
Donc forcément, vu qu'on est limité en nombre de joueurs dans chaque hexagone partagé, bah, du coup, ça fait que, effectivement, quand t'as 150 joueurs ici, 150 là, bah, c'est pareil. Enfin, c'est ça. Vu qu'ils ont beaucoup, très peu d'hexagones à jouer, bah, ça fait qu'ils peuvent se partager beaucoup plus facilement les trucs. Et donc, ils paraissent beaucoup plus nombreux, mais en fait, ils sont juste un peu... dans peu d'hexagones, et nous on a énormément de files d'attente parce que bah on a énormément de joueurs qui sont prêts à jouer, mais on peut pas, on n'a pas la place en fait. On n'a pas la place dans chacun des hexagones. Je te l'ai rendu public. Oh, désolé la VOD, je vous aurais pas amené jusqu'à la victoire de cette war. Voilà, pardon. Pardon pour ça, l'équipe. Pardon. Tu t'es fait troll. Mais c'est pas dramatique en vrai. On a quand même fait de la destruction aujourd'hui. On a accompli notre objectif. Si on me demande, Silk Farm est récupéré. Silk Farm est récupéré, en plus ça a été récupéré en 2 heures, je crois que c'est quelque chose comme ça, on les a cassés en 2. Et vous êtes les quelles couleurs ? On est les bleus, Wojin. On est les bleus. Et la map est très belle, elle est bien bleue, bien comme il faut. Les gars, il y a des bangers qui vont arriver sur TikTok là bientôt, des banger clips. Sur YouTube, pareil, le best-of qui va arriver très fort. Merci à toutes les personnes qui suivent. Et le TikTok, et surtout je parle du TikTok et bien sûr de la chaîne Replay en ce moment qui est refait l'historique de la war. Si vous avez raté, vous pouvez regarder ça sur la chaîne Replay également. En vrai, les gens en file d'attente, faut passer en logis, l'hexagone du front, il faut des passeurs qui abusent de leur priorité. Ouais, tout à fait. Faudrait surtout rebuild les hexas en même temps qu'on push. Ouais, mais en fait là on est sur un blitz, on a envie de terminer la war. Voilà. Donc on a envie d'aller tout droit, on essaie d'accélérer un petit peu le truc. En 3 jours là, on a pris 8 hexagones, enfin 7 hexagones, un truc comme ça, c'est allé trop vite. Non, vraiment, je pense qu'il y a vraiment 6 hexagones qui ont été pris en 3 jours. 6 hexagones, c'est quelque chose, hein. 6 hexagones, c'est énorme. Ça débite. Bah ouais, bien sûr. Merci à vous. Avec un peu de chance, la war est encore là. Bah, j'espère que la war est encore là demain. J'espère pour pouvoir la terminer avec tout le monde. Sinon, c'était pas grave. Ça aurait été excellent. Une POV à conseiller pour suivre la fin ? Oh non, pas du tout, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui la stream, la war. Je vous invite à aller voir dans la catégorie Foxhole sur Twitch. Mais ouais, ils sont pas des 1000 et des 100, quoi. Ils sont pas des 1000 et des 100. On va regarder ça ensemble. Merde, Foxhole. Je devais aller dans Directory. Trop bien, le Rush Rocket, c'était cool. Merci, Kenny. Ouais, c'était très sympa, quand même. C'était quand même très, très sympa. Alors, attendez. Hop. On va dans cette catégorie, qu'est-ce qu'on a là ? Est-ce qu'on a du KGG ? On n'a pas de KGG malheureusement. Eh bé ! Je regarde un peu si on trouve quelqu'un qui puisse nous amener ça, qui puisse nous amener la fin de cette war. Et il n'y a que du colo en fait. Il n'y a que du colo. Oh, j'ai quelqu'un. J'ai Dédé le dindon qui joue. Hein. Dédé le dindon. On a Dédé le dindon, les gars. Dédé le dindon. Oh là là, on va se régaler chez lui. Hein. Dédé le dindon, c'est un KGG. Hein. Il est gotesque, ce mec. Il est gotesque. Je vous envoie chez lui, ok ? Je vous envoie chez lui, régalez-vous. Hein. Allez, régalez-vous l'équipe. Passez une bonne soirée. Bien sûr, vous arrivez dans le chat. Au 7, comme ça. Bang. Et vous allez essayer de suivre un petit peu la fin de cette war avec lui. Il est sympathique. C'est quelqu'un de très investi. Super sympa en plus d'aider. C'est un régal, ce mec. C'est un régal. Je vous laisse avec cette crème. Passez une bonne soirée. Bisous tout le monde. Ciao. Hein ? Qu'est-ce qu'il dit ? Attends, j'écoute.